طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver donc ici à Maubeuge, de retrouver les frères et sœurs Zahoumla donc pour votre déplacement. Et on fait notre possible, alhamdoulilah, de reprendre comme ça petit à petit certaines activités qu'on avait donc auparavant. Enfin, on va essayer, inshallah, donc aujourd'hui de reprendre un sujet qui est en vérité d'une certaine manière d'actualité spécialement. Inch'Allah. Donc spécialement, donc, comme on le voit chez nos imams, chez les prédicateurs, nos savants aussi, eux ils le remarquent plus souvent, ce sujet-là qu'on va voir aujourd'hui, qui s'appelle la tristesse. Eux ils le remarquent souvent, pourquoi? Parce que eux ils reçoivent les demandes des gens, les plaintes. Et puis aussi il faut savoir que ces sujets-là sont des fois, subhanallah, rattachés à des périodes bien précises. Parce que soi-disant aujourd'hui on parle beaucoup de crise, il y a aussi des personnes qui psychologiquement se mettent en mode crise. Même si tout va bien, il est en mode crise. Ah, il voit, même s'il vient de Tradda, il vient de manger, il vient de Tacha, non, il est en mode crise. Qu'on est mal, ça ne va pas. Allah, des fois psychologiquement, Satan, l'anoullah, joue sur ces deux étages-là. Ça veut dire qu'il y a l'étage dans lequel tu vis qui est réel. Ça veut dire que tu es en train de, mashallah, de profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au même moment, il te fait croire qu'il n'y a rien. À cause de certains petits événements. Soit les médias, parce qu'on, il est connu en psychologie que quand tu répètes à quelqu'un tout le temps la même chose, même si cette chose n'y a pas au moment même, subhanallah, l'être humain il s'adapte petit à petit jusqu'à ce qu'il fait croire à son corps qu'effectivement la chose est là. C'est comme pour les maladies psychosomatiques, vous entendez parler de cela. Les maladies psychosomatiques, il y a des personnes qui des fois, subhanallah, sont pas malades, mais à force qu'on leur répète que tu es malade, type il est malade. Mais il n'y a rien. Il va chez le médecin, il lui dit tu n'as rien. Ça, ce premier groupe-là, par rapport à ce sujet, il faut savoir que c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, pourquoi? Parce que Satan, l'anoullah, il raffole de ces gens-là. Il raffole d'eux, et il sait que, subhanallah, au plus, il va leur faire passer du temps à réfléchir dans le vide, au plus leur cœur va s'endurcir au fur et à mesure. Mais lorsqu'on dit que le cœur s'endurcit, ça ne veut pas dire que, subhanallah, c'est un cœur qui est mauvais. Loin de là. La personne à la base, elle est bien. Elle est bien. Mais elle n'a pas laissé n'importe quelle information entrer dans ce cœur. Et on sait que le cœur a besoin d'entraînement. Le cœur, c'est un moteur, subhanallah, le qalb. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé l'importance du cœur. Lorsqu'il a dit que s'il est bon, le reste du corps est bon, et s'il est mauvais, le reste du corps est mauvais, eh bien le qalb, ce cœur, est quelque chose de très très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on le fait travailler tout le temps. Et c'est pour cela qu'on va chercher justement, autour de nous, dans la sunna, ou bien par rapport aux gens qui sont autour de nous, qu'est-ce qui va faire que ce cœur, subhanallah, va vivre les choses d'une manière beaucoup plus positive que ce que la réalité t'impose. C'est là que c'est difficile. Parce que l'insan, subhanallah, qui est riche, ou qui t'na'am, bini amillah subhanahu wa ta'ala, lakin, comme on dit le shaitan, anawullah, qui jiu ki hawul kul marra, il délaisse le kul umur, li katchoufa. Mathalan, anta katchish yaoumien bini amillah. Katsakul katcharab, andik l'aïnin, andik l'alb khaddam, andik l'aqal khaddam, katsma'u. Lakin, huwa subhanallah, dit jida iman, ou il biyil lek, bel asbab. Hna kuna, mathalan, l'umur li kadous telfaz, l'akhbar. دائما كي يتكلموا بهذه الكلمه البسيطه كيقول لك حنا في الازمه عايشين في ازمه فالانسان كيبقى دائما يسمع هذه الكلمه هذه الازمه وهو مسلم ياك مؤمن وسبحان الله كيعيش بنعم الله يوميا لكن ذاك الكلمه كيسمعها في الصباح في الظهر في العشيه في الصباح في الظهر في العشيه ولا سيما اللي جالس في الدار اللي بلا شغل سولا كي با ترافاي كي طول طون لا ميزون اي كي انتان سيغتان مو كي سبحان الله كوتي اون وا دير انتر غيمي qui sont inverses de tout ce qui va t'apporter une certaine joie et sérénité, ben, tous ces mots-là, quand tu les entends tout le temps, ils sont retassés, wallahi, le cœur, il en prend un coup. Ou l'insan qui donne blana fi'lan, huwa fi azma. Qui me coule saraha, y'a azma fi l'aqida. C'est une azma dans sa foi.
لكن ماشي أزمة بين قوسين في الأمور اللي اعتبر الله سبحانه وتعالى c'est pas une vraie crise entre guillemets par rapport à ce qu'Allah سبحانه وتعالى t'a donné لا أبدا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها أبدا لو كان الإنسان comme nous a dit Allah سبحانه وتعالى il devait calculer نعم الله tous les bienfaits qu'Allah سبحانه وتعالى lui a donné impossible de les calculer والله impossible et كل نعمة chaque bienfait que tu as reçu il n'y a pas moyen de mettre une somme. Prends rien que les yeux. Et ayez ce qu'on appelle une discussion entre un aveugle et quelqu'un qui voit. Tu prends quelqu'un qui voit, faites-le le test, hein, c'est très rapide, tu prends un jeune, comme ça vite fait, tu lui dis, c'est quoi la meilleure chose que tu as ? À 99%, impossible qu'il va vous dire, ah c'est mes yeux. Ça, oulala, impossible. Va directement penser à des choses soit qu'on palpe, qu'on touche, soit en général la maison, ou bien si ce n'est pas le travail, c'est pour ça que je dis un jeune, il n'est peut-être pas encore quelqu'un qui travaille, tu vas un peu plus haut, tu vas trouver c'est directement l'argent, si jamais il a une belle voiture, ou ceci, ou cela, et puis tu as les romanciers, hein, c'est quoi la meilleure chose que tu as, oh mon épouse, machallah, ceux-là ils sont très rares, c'est 0,1% de la population, ou bien si tu demandes la même chose à la femme, c'est quoi la meilleure chose qui t'est tombée dessus, moi 0,01 aussi qui va te dire mon époux ou la cadre. Donc l'être humain, il va fonctionner qu'avec les choses qui lui rapportent du plaisir, mais directement à la seconde. Subhanallah. Le bachar, l'aghlabiyya ou l'aidoubillah, le makanch mertabut billah, subhanahu wa ta'ala, s'il n'est pas rattaché à Allah, subhanahu wa ta'ala, directement, mahad jubroudei man farhan arb al-moussat, arb al-umur likimis, likihadi. Il a qui a dit chez Haja Jabt l'ouah al-farah, kajbourou mashallah, bekhir. Si jamais il touche quelque chose qui lui ramène un plaisir, wallah, tu le trouves, il est bien. Il est à l'aise. Et dès qu'il est touché par l'inverse, il se retourne directement vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il devient un renégat. Il commence en quelque sorte à faire des comptes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi moi et pourquoi pas un autre? Et pourquoi ceci et pourquoi pas cela? Et là commencent les maladies. Had la maladie qui est entre guillemets, qui peut être une maladie pour certains, attention, la tristesse n'est pas à la base une maladie. Au contraire, et on va le voir, elle n'est pas à la base une maladie. Mais elle peut le devenir, ya shabab. L'huzn, had l'hazan, mashi marad. Fil bidaya, wallahi laysa bi marad, abadan. لكن إذا رجع شي حاجة سبحان الله اللي رجعت واحد العادة عند الإنسان كيقدر يرجع مرض وهادشي اللي خصنا نشوفو اليوم أنه كيفاش نجبرو واحد الحل وسط c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui comment trouver un juste milieu pour pas que ça devienne une maladie même si effectivement on est touché par certaines choses qui font que l'on soit triste ou bien que l'on s'attriste c'est une parenthèse un père tout à l'heure il est présent jazallah qu'Allah سبحانه وتعالى الله يطول في العمر واحد الاب qui est ici avec nous jazallah avant la prière il est venu chez moi il m'a dit chouf aoulidi Allah yrda alik tkellem ala dars dialek fais ta conférence il y a aucun problème mais s'il te plaît et regardez la manière comme il me l'a dit tu sens qu'il y a une tristesse quelque part il me dit mais s'il te plaît parle du respect des parents parle leur Il ne m'a pas dit, parle pas trop, fais qu'une demi-heure, puis là. Il m'a dit, parle ta conférence, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, et tu le vois dans ses yeux, et tu le vois dans sa manière de parler, il est même gêné de demander ça, parce que c'est la base de la religion chez nous. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَقَدَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَقَدَا, c'est un décret. C'est un décret, ça veut dire que c'est une règle, une loi inchangeable. Elle vient d'au-dessus des sept cieux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. Encore une loi d'un être humain, vous savez bien, on peut refaire une assemblée, ceci, cela, un quorum, deux tiers, kada, tal, parlement, il sort une autre loi. Là. Ici, c'est inchangeable jusqu'à la fin des temps. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cette tristesse qu'on a aujourd'hui chez certains de nos parents? Ça, c'est une tristesse qui n'est pas une maladie, mais qui peut le devenir, wallahi. Ya shabab, si jamais on est la cause de la maladie de nos parents, et spécialement la tristesse. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as mal à la tête, tu prends, vous avez, c'est Doliprane chez vous? Comment ça s'appelle chez vous? Ou c'est Dafalgan, vous c'est? Ah, vous avez aussi Dafalgan? On vous a eu. Vous a tout refilé, la Belgique, tout petit, mais très fort. C'est entre nous. Hein. Je ne vous ai pas ça, mais c'est comme ça, il faut accepter des fois. Subhanallah, tu as mal à la tête, tu prends un Dafalgan, ça fait. Une heure après, on te dit, allez, la tristesse, vous avez déjà entendu un médicament pour cela? Et quand ça devient exagéré, à tout casser, les psys te donnent alors des calmants. Mais des calmants en vérité, pas vraiment pour calmer la douleur, mais c'est pour te douer un peu, pour te faire penser à autre chose. Mais en vérité, le mal, est-ce qu'il reste? C'est très grave. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets, on en parle rarement, c'est vrai, il faut être honnête, des fois dans nos conférences, on est souvent dans les mariages, les ceci, les cela, mais il y a des sujets, Allah, qui sont très subtils, mais ils sont importants. Parce qu'ils sont pires que la maladie.
parce qu'ils peuvent te tuer à petit feu. Enfin, quand tu as un père encore aujourd'hui qui a un certain âge et qui vient et qui te dit « s'il te plaît, parle de ce sujet-là », ça sous-entend, wallah, il y a shabab, plein de choses. Ça peut sous-entendre qu'il voit des choses, ou il subit des choses, il entend des choses. Et la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui en 2013, normalement, c'est des sujets qu'on devrait, entre guillemets, rappeler en quelques secondes et puis c'est fini. Hein. Mais est-ce que c'est la réalité? Là, être la cause de la tristesse de tes parents, il y a le frère, il y a la sœur, wallah, et tu as perdu ce qu'il y a sur terre. Ce que tu as de meilleur sur terre pour l'instant, tant qu'ils sont vivants, c'est tes parents. Avant même ta femme et tes gosses. Et si je devais parler à la femme, avant même ton mari et tes gosses. Les premiers qui passent, ce sont tes parents. Après, il y a ce qu'on appelle les petites histoires, les affaires, comment faire, je dois sortir, puis il m'appelle, et cadavre. Non, ça c'est, t'inquiète, ça tu essaies de voir. Et même comme ça, subhanallah, on te dit, ne sois pas la cause de leur tristesse. Et même pas avec un mot. Et on va plus loin. Dans le Coran, c'est même pas un mot. C'est le mot qui est employé, mais c'est un mot qui est employé pour désigner quoi? Un genre de son. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma uffin. C'est un simple son. Et encore, c'est un son si jamais je t'entends. Et aujourd'hui, comme vous savez, il y en a qui ne l'emploient même plus, mais ils lèvent les bras. Il y en a qui lèvent les mains. Et il y en a qui lèvent les mains pour soi-disant montrer qu'ils sont fâchés, comme il y en a, wala iyadou billah, qui lèvent les mains, mais pour frapper. Et ça, on a, wallah, vous le savez, Shabab. Ma génération, nous qui avons maintenant la quarantaine d'années, tabarakallah, nous, on n'a pas connu peut-être un dans le quartier, wallah, et peut-être un sur mille, qui un jour a osé un peu lever la main. Et, ushidullah, quand il levait la main et qu'on l'apprenait dans le quartier, la rumeur, elle s'étalait directement dans le quartier, et ce jeune, wallah, plus personne lui parlait. Plus personne lui parlait. Hatta il regrettait. Et je me rappelle, il venait chez nous au quartier, alhambabakoum, ouais, je me suis ta'assob, abadan, fallait pas lever la main, dégage, dégage. Hey, on était dur, wallah, on était dur. Baqi, tu l'attrapes, il a fumé en cachette, il a fait. Regardez, hein, c'est grave aussi. Hein. Mais regardez, subhanallah, la mentalité qu'on avait. Alors que je vous parle, c'est les années 80. Mais il y avait des sujets, subhanallah, c'était intouchable. Touche pas aux parents. Et ça touche le sujet aussi. Wallah, on était triste et attristé quand on voyait des parents qui ont trimé toute leur vie et qui arrivaient à un âge où il a besoin de toi, il a besoin que tu le réconfortes. À ce moment-là, à toi, qu'est-ce que tu fais avec tes deux petits kilos de muscles? Tu commences à lui montrer qu'est-ce qu'il y a. Chandek, avec mon père, il casse la tête. Walid hammak les ras. Masha'Allah. Hammak les ras. Chal, jout soya. Tlata. Shahar. Am. Unta li hammak les ras. Tlatin sena. Hein? Combien tu l'as énervé? 5 minutes? Combien il t'a énervé ton père? Je parle même pas de ceux qui sont mariés. Il demande si les sœurs peuvent avancer un peu, parce qu'il n'y a pas de place. Comme ça, les autres sœurs peuvent entrer. Ah, elle serrez-vous, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yfaraj alaykoum shi nar shi jama' fi mubish kbir insha bidnillah. Fahamt? Tayeb sidi. Fa subhanallah, on vous dit, même comme ça, tu trouves que les parents, hein, l'autre il est marié, il vient chez lui, il les voit peut-être une fois par semaine. Et wallahi, il se barre pas, il patiente pas. Parce qu'il est venu rendre visite à son père, et peut-être son père lui a envoyé un pic. Là, par exemple, voilà, je travaille, je suis da'wa yak, je fais la da'wa toute ma vie. En journée, je donne cours dans les écoles, vous le savez, je donne cours de quoi? De religion, donc ni maths, ni français, ni... Donc je travaille dans la religion 7 sur 7, yak. Mon père, il le sait, il a 70 ans. Il le sait, yak. Et il voit le nas, ils lui disent, ah, benek andout dars, benek kada. Et quand je vais lui rendre visite, des fois après une semaine, parce que voilà, je suis chez vous maintenant, je ne peux pas aller le voir le soir. La journée, je travaille, le soir, il faut vite prendre l'autoroute, mobeuj kada. Demain, s'il va me voir, et il sait qu'il ne va pas me voir demain, parce que je pars à Paris. Donc dimanche, inshallah, quand je vais le voir, wallah, dinzel ali à la seconde. À la seconde, dinzel ali. Hatta des fois mes enfants, hein, j'en ai 5 de 20 ans jusqu'à 8 ans le dernier, ils rigolent en cachette. Ils me font, Allah il a tel, qui t'a bien eu. Et Allah il vient chez moi, il te fait ta vie, je dois, il t'a crié dessus. Et des fois ils rigolent, ils me disent, eh Abi, ça te fait pas la honte. Je dis, c'est le nid, hein, c'est là, ça te fait pas la honte. Toi t'es un frère, t'es boulhé, t'as vu comment il t'a crié, je dois dessus. Et je dis, au plus il crie, au mieux c'est. Parce que c'est un bien. Et il me dit, comment ça? Je dis, ça c'est la porte du paradis, ils sont là, Aouma. Les deux là. Certains de nos machers, ils disaient, quand t'as encore ton père et ta mère, t'as deux clés. T'as deux clés du paradis. Dès qu'un y part, il te reste une clé. Il part le deuxième,
Chaudek, les deux clés. Ça ne veut pas dire, entre guillemets, quand on dit les clés, que si les deux partent, c'est fini ta jahannam. Non, non, non. Il faut comprendre ce qu'ils veulent dire par là, comme pour dire que tu as encore une opportunité de gagner, mashallah, les hautes sphères du paradis par des kardad l'ouali-din. Parce qu'ils sont encore là. Parce que vous savez que les êtres humains qui sont autour de nous, ils nous rapportent un peu de bénéfices. Par exemple, quand on s'occupe d'un orphelin, est-ce que le prophète n'a pas dit que moi et l'orphelin, ceux-là qui s'occupent de l'orphelin, on est kahatayn yawm al-qiyamah, les deux. Comme si, ça veut dire proche, comme les deux doigts de la main. Donc on a des personnes qui sont autour de nous et qui sont, subhanallah, avec la cause qui fera qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera un bénéfice immense. Parmi eux, tu as tes parents. C'est pour ça qu'on te dit tu perds deux clés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs clés pour y entrer. On sait très bien que la prière est une chose qui te ferme le paradis si elle n'est pas mise en pratique. Et vous le savez, chez la plupart, la majorité des savants. Donc tu rentres, hadat est marié. Enfin, que penser du jeune? Le jeune, lui, il a un autre jihad, subhanallah. Le jeune qui vit encore à la maison, il est entre deux feux. Pourquoi? Parce qu'il a avec l'âge, avec l'adolescence et autres, il a envie de se montrer. Parce qu'il grandit, il est intelligent. Le sait tout. C'est le grand J majuscule. Je sais tout. Le M majuscule, le moi. Et en face de lui, il y a quelqu'un qui date des années 40 et qui croit aussi connaître. Et tu as deux scientifiques qui se parlent. Comment ça se termine en général ces dernières années? Encore notre génération, parce qu'on était les premiers qui sont nés ici en Europe. Encore quand le Walid, par exemple, je taquine, hein, c'est vite fait. Quand tu dis 1 plus 1 est égal 2, lui, tu dis 3. Tu lui dis, wa Walid, wa Walid, ça, fils. Tu dis que c'est 3, ouais, c'est 3. Hein. Et on se levait, on partait. Ou bien le Walid, de loin, Allah rahmal, faisait signe pour dire, je te fous, mec, chaud, je Alors, l'ania, wa Walid, andek le haq, là. Il te regardait bizarrement. Comment ça, il y a 2 minutes, j'avais pas le haq, maintenant je l'ai. Mais on l'a fermé direct. Maintenant, tu as des jeunes qui tapent des fights, hein, ils restent avec son père jusqu'à minuit, hein, face à face. Et des fois, même dans discussion de religion, ça c'est aussi un autre problème. Ça c'est aussi une drôle de tristesse qu'on a. Quand nos jeunes, regardez, c'est un paradoxe incroyable, et c'est là que Shaitan anallah, Wallah, il gagne, mais d'une manière incroyable. C'est quand le jeune, et c'est vrai, c'est une réalité, des fois le jeune, il a raison sur un sujet de religion. Il a raison à 100%. Mais peut-être son père, miskin, voilà, il s'est habitué pendant 20, 30, 40 ans, il adore Allah de cette manière-là. Et tu vas voir le jeune qui va lever la voix sur son père ou sa mère au nom de la religion. Est-ce que tu as le droit? Là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit « Oud'ou ila sabili rabbika ». Ça veut dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellé pour qu'on appelle pour la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a demandé qu'on le fasse vraiment de la meilleure des manières. On doit utiliser les meilleurs moyens, les meilleurs exemples et avancer petit à petit. Ça c'est un verset qui est général. Que penser quand ça touche les parents. Ah, ça c'est encore un autre sujet. Où le jeune, il veut expliquer la religion à son père, ou bien il n'est pas d'accord par rapport à la pratique de son père ou de sa mère, et il lève la voix, ou bien il les énerve, et il est très dégaré, il sort. Moi j'ai des parents, ils viennent chez nous des fois, quand ils me voient à la mosquée, ils viennent, ils me font, « Saïe, wa wulidi, hum kada, dak nar jan andi le wuldi qalin ta bal. Ta ma kat fahamch. Comprends rien. Ou l'an ta mubtadi'. » Parce que, alhamdoulilah, voilà, là, les jeunes, ils apprennent certaines choses, et ils savent que, par exemple, cet acte-là, il n'y a pas dans la religion. Mais son père, il le fait. Ou là, sa mère. Est-ce que tu te vois, toi, mashallah, celui qui aime la sunna du prophète, sallam, venir dire à ton père, celui qui est l'intermédiaire, qui a été la cause de ta présence, ou bien à ta mère, de lui dire, t'es un moubtadir, t'es un bal, t'es un égaré, encore un peu virgule, t'es jahannam, tu as déjà préparé un billet. Regardez le paradoxe, pourquoi je vous dis que Shaitan il aime ça, hein? Parce qu'au même moment, toi tu viens avec quelque chose de propre, de beau, la sunna du prophète, ça, c'est, mais tu l'aimes. Et en face, tu as aussi quelque chose de beau, qui est ton père ou ta mère. Et comment faire pour que tous les deux soient au même plateau, au même niveau, afouane, dans le même plateau, au même niveau? Tu dois de nouveau aller apprendre, et savoir comment est-ce qu'on parle. Normalement, avec nos parents, là on doit parler sur des œufs. Toi, s'il fallait marcher sur des œufs, est-ce que ça serait facile? Ce serait pas facile. Mais avec nos parents, c'est la même chose. Et sache que même si tu es en droit, tu auras toujours tort vis-à-vis d'eux. Ça, c'est une théorie qu'on nous a appris depuis petit, même si elle était bizarre. En maths, elle ne fonctionnait pas. En mathématiques, ça ne fonctionne pas en mathématiques. C'est impossible. C'est une équation tordue. Mais dans la réalité, elle fonctionne. Même si tu crois que tu as tout ce que tu veux, ça sera toujours eux qui sont en droit. C'est tout. Et tu uses d'autres moyens et tu avances au fur et à mesure. Fallah d'alikoum, c'est une petite parenthèse par rapport à nos parents, mais... Notre père ici présent, il a raison. Normalement, on doit souvent rappeler ça. Il y a des sujets, comme je dis toujours, hein, c'est comme ce qu'on appelle d'être l'entretien. Toi, l'entretien, tu es obligé d'aller le faire. Même si c'est bête, c'est changer de l'huile, mais tu sais très bien les dégâts qu'il peut y avoir si tu ne le fais pas comme il faut. Tu sais très bien.
Donc à ce moment-là, on te dit, Allah d'alikoum, ces sujets-là, ne les sous-estimez jamais. Parce que comment tu veux vivre bien si tu es mauvais avec tes parents? Et là, je peux rebondir sur notre sujet. Et dire que des fois, wallahi, et j'en suis sûr des fois, d'après les cas qu'on a vus dans le domaine social, des fois il y a beaucoup de jeunes qui vivent certaines tristesses ou bien qui vivent mal, parce que justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde et nous a dit « وَمَنَا عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ فَإِنَّ » En langue arabe, on vous l'a répété des milliers de fois. « Inna » c'est sûr et certain. « وَمَنْ أَعْرَضَ » On te montre le chemin que tu dois suivre. Ah, celui qui est triste, qui se dit que ça ne va pas. Est-ce que tu es de ceux qui suivent vraiment le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Est-ce qu'on se pose la question pour voir si vraiment le chemin que j'ai pris est juste? La preuve, quand on prend une route et qu'on a un doute, on met le GPS direct. Ça, oulala, quel est ton GPS sur Terre? Si ce n'est pas les savants, si ce n'est pas ceux qui vont te montrer le chemin, comment tu fais? Donc le fait que tu es arrivé à ce niveau-là de tristesse, par exemple, c'est qu'il y a une cause au début. Il y a quelque chose que tu dois aller voir là, ou revoir. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Waman a'arada », il a employé ce mot « a'arada » parce que wallahi, c'est un mot qui est très très dur en vérité. Lorsque tu vas voir dans l'exégèse, il est très très dur. C'est comme si c'est quelqu'un, toi tu lui dis le chemin est par là, et lui subhanallah, il prend un autre chemin. « Wal aghla biyad al-hazan diyanna li kan ishou fad dunya dil an » Ad al-musiba li waqa ba'ad marad fil usar diyanna bsabab annu al-tariqa tariq li ki wussalak عند Allah subhanahu wa ta'ala ahna kan khalliwa. ما كنفتشو علاش والله ما كنفتشوش عليه ابدا كنمشيو نشوفوا شني كيقرب من الله سبحانه وتعالى شني كيجعلنا مثلا نكونوا على الاقل من الاتقياء وكذا لا هذا كنفكروا فيه الا كان شي درس مثلا في المسجد اون بونس ا سي سوجي لا كو سي يا اون كونفرنس مي لو ريست دو تا سيمين كومون است كيل هاد لو ريست دو لا سيمين سي سي سكي مانتريس مو اوجوردي سي كومون تو جير كون يا با دو كونفرنس كون يا با دو كور كومون تو جير تا جورني كومون تو جير تا سيمين كيسكو تو ريغارد. Qu'est-ce que tu entends? Et qu'est-ce que tu dis? Je viens d'employer quelques membres du corps qui, wallahi, ont un jeu immense dans le domaine de la tristesse. Un simple exemple. Il y a des personnes qui sont tristes de ne pas voir ce que les autres ils ont. Au début, c'est des fois une petite tristesse. Kajbro, haznan, shuraskul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Tchouf, al-mashakil, adjardien, sikren, mfaddim, kahat, barakallah, al-flous, tartak. Mon voisin, il est. C'est un soulard, il rentre alcoolique, pété, tout ce que tu veux, mais il a de l'argent à fond. Et moi, regarde, subhanallah, le halal, il est tout le temps dans les dettes et les problèmes, et les ceci et les cela. Et il va chaque fois te montrer, jusqu'à ce que cette tristesse, qu'est-ce qu'elle devient après quelques semaines? Elle devient une maladie qu'on appelle quoi? La jalousie. Tu deviens envieux. Wa min sharri hasidin idha hasad. C'est pour ça qu'on demande protection. Pourquoi est-ce qu'on demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala, shabab? Et on demande protection par rapport à quoi? Min sharri hasidin idha hasad. Comment a commencé justement cet état-là d'être envieux? Al-kantumullah subhanahu wa ta'ala, wa'afina wa'afi jami' al-muslimin, mad al-hasad. Alash kantumullah subhanahu wa ta'ala ya'afina minnu. Alash. Wi'awunna ala ad al-martada. Alash. Lenna ya shabab, al-hasad, ma kibdash idha fatqiqa, abadan. La jalousie, l'envieux, elle ne commence pas tout simplement. Dans beaucoup d'ouvrages, quand on lit comme ça à gauche à droite, on voit que là, à la base, la personne se met d'abord dans un mode de réflexion. Il y a d'abord des pensées qui viennent. De la tristesse, elle ne vient pas comme ça à la seconde. C'est d'abord tout un système de réflexion, de pensée. Et had les pensées, Ikhwan, si jamais elles ne sont pas structurées comme il se doit, vous savez très bien qu'on a un acteur qui va nous aider. Il le sait, il vient. Et il commence à t'envoyer des petits propos furtifs, jour après jour. Mais les propos, c'est des fois un mot. Et des fois, c'est même pas un mot, des fois, c'est un ordre qui va te dire tout simplement, regarde ce qu'il a l'autre. Un exemple. Ousmane, ici, l'exemple, il est un peu trop rapide, comme ça, trop brusque, mais c'est des réalités. Des fois, tu peux avoir un voisin, du jour au lendemain, il a une belle voiture, et puis tu entends qu'il a bâti un étage au Maroc. En général, dès qu'on en parle à la seconde, tu as deux groupes de personnes. Ceux qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Wallah, ils ne vont pas être tristes, ils vont être joyeux. Ils vont dire, mashallah, Allah ybarak lou fil mal dialou, fil rizq dialou. Et le deuxième groupe, il va te dire, hada mia fil mia fil hashish. Hada mia fil mia bda fil hashish. Hada machi normal. Hada sifa dialou machi htan tma. Ou ahna daima kuna kan shkoufe. Mashallah alikum, l'wahi, bda nazil. Ahna daima kuna kan shkoufe. La. Wallah, c'est une sorte de tristesse interne. Donc, tu vois, subhanallah.
J'étais voir des fois, même chez les psychologues, j'essaie un peu de demander pour voir un peu tous les domaines, chez le machir et aussi côté psychologue, il te dit. Tu dis, voilà, c'est un état d'esprit qui commence chez la personne, et des fois par n'importe quelle situation, tu ne la vois pas arriver. Jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et là, dès que c'est un automatisme, dès que ça devient même quasi systémique, ça devient quelque chose de tout à fait normal dans le corps, là, les amis, vous comprenez pourquoi Allah exalté soit-il nous demande de demander protection contre Satan qui insuffle dans ta poitrine certains propos, certaines choses. Parce qu'une fois que c'est insufflé et que c'est installé, là, wal'iyadu billah, tu deviens quelqu'un qui va passer son temps à mâcher, halikim dar, ou soit si latral, ou dit-il qu'atrja insan hazman, daiman katfkar, ou daiman mashakil, ou daiman kada, l'aghlabia, katjbar shaitan anna Allah, j'al anou dek l'aïn indiel, k'tchafou shi haja. Ou dès que les hajjali tchafou, braouha, t'ma katchouf l'akida de l'insan, imma ki koula alhamdulillah, Allah yrezkou yzidlou. Awal aïdou billah, kad da t'ta'anf dek l'insan. Il a dit qu'at'anfeh, t'ma dek l'hazan li ki bda fil qalb diel, ki bda yitbeddel, ou ki t'khalat ma l'hasad. Ou subhanallah, hatta l'wajh dielek ki t'gayer. Wallahi l'adim yekhwan. Tchoufou, regardez autour de vous, il y a des personnes dès qu'ils rentrent dans ce système-là, tristesse mélangée avec un peu de jalousie mélangée. C'est pour ça que ce n'est pas un mot qui vient tout seul. Il y a des choses où c'est tout seul. Hein. On a dit on va en parler. Moi je commence à voir par le plus négatif. Des fois il est mélangé à d'autres situations. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit chez la personne? Est-ce que Bilal Alikoum il a un visage resplendissant? Non. Il est toujours aigri. Il est toujours aigri. Deuxième étape. Des fois tu peux trouver des personnes qui sont tristes par rapport à une situation qui peut être religieuse. Comme par exemple l'état des musulmans dans le monde. Ça arrive. Quand tu vois ce qui se passe en Syrie par exemple, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe dans le reste du monde, effectivement, monde musulman, des fois tu es touché. Mais même comme ça, Ikhwan, est-ce que billah alaykoum, on est obligé de revenir à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tchouf, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, arbdou al-mushrikin ki ta'addou ala al-muslimin, l'awa'il. Chnit l'oblom Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Amnou l'hijra l'oula, chou l'habasha. عن من مشاو كان مسيحي النجاشي رحمه الله سلم من بعد كان معروف مسيحي ياك دونك سبحان الله لي مسلمون كان ils ont été les premiers musulmans persécutés le prophète صلى الله عليه وسلم est-ce qu'il les a laissé s'attrister sur leur sort واش قال لهم جلسوا دابا الان في دار الارقم وباب الارقم وبكيو وتضرعوا وصافي وخلوا كل في داركم وصافي ما كاين والو ابدا دائما كتجبر بان الاسلوب النبوي انه دائما كيطلب من الشخص يتحرك ولا سيما اذا مسوح الابتلاء علي الله سبحانه وتعالى في سوره الملك يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الابتلاء وعلاش باش نشوفوا شكون هو اللي احسن في العمل C'est-à-dire, quand tu vas voir dans la sourate la royauté, et par rapport justement à comment fonctionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on était touché par une épreuve, c'est qu'à chaque fois on te dit que rappelle-toi les épreuves. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et c'est quelque chose que tu acceptes. Et justement, on va voir alors ta réaction pour voir qui est le meilleur, ahsan, meilleur dans les actions. Et jamais tu vas trouver dans la religion, on va te demander de rester dans un coin, te morfondre et passer ton temps à pleurer. Hatta subhanallah, on peut aller vers les choses les plus difficiles, la mort d'un proche. Tu vois subhanallah, la mort d'un proche. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé dans la jurisprudence un sujet qu'on appelle le deuil? Taïb l'insan toufa. Ouach rasul sallallahu alayhi wa sallam makhallanesh matalan kifash kan amlou matalan kan drabou l'hissab l'idda yak matalan l'mra chal khsatibqa. On sait que l'mra, la femme, si jamais son mari meurt, 4 mois et 10 jours. Lakin ouach katjibrou fil hadith mektoub 4 mois et 10 jours et elle doit pleurer. Ou semblant qu'elle pleure ou kada. Là. Un musulman meurt, donc en dehors du mari, les autres musulmans, s'ils meurent, combien de jours? Tu subhanallah, 3 jours.
تعزية ويجي الإنسان عندك ويعزي وكذا وكتجبر كتجبر السنة كاملة ما شاء الله كتشرح لك كيفاش كتعمل واش نجيو مجموعين ولا لا واش نبقاو عر جالسين ونهضروا في الأمور الدنيا ولا لا واش شي واحد يعمل موعظة كيف كان كيعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كيدفن شي واحد دائما كيعمل موعظة دونك اون تيكسبيك كيس كيفو فير اسكو كالكان اي مور دونك لي كوندوليونس سي سكون فا Et tout simplement, on s'amène en groupe et puis on commence comme on le voit aujourd'hui, on qassar, on parle de tout et de rien et on fait rien. C'est là qu'on s'étonne que certains ils restent tristes encore pendant des semaines. Parce que même ceux qui viennent, ils oublient la sunna, qui est que normalement, comme le faisait le prophète Hassan, on fait un rappel pour remonter le moral de l'autre. On fait un rappel. Aïe, insan, j'aime, matalan, chi ta'zir, kan amnou djur, diyanna, nou chi wahidi, haoul, mam, kan yati wahal kalima, mais je kitallah al-ma'nawed l'insan. وبين له بلانات الدنيا هذه راه حنا عار دايزين فيها والموت حاق وكذا وهذه دونك لا بيرسون فيان اي فان رابيل بور مونتري كون ليك دو باساج سور سيت تير اي كو لا مور سيت اون فيريتي الي لا كذا اي اون لوي بارل دي بينيفيس كي يورا ابري دي بينيفيس بار رابور او صبر كي فا دوني ها كي فا ميتر سور تابل اي انسي دو سويت اي اون افونس افيك لوي مي ميم كوم سا لا سونا تو دي 3 جور اي ايل فا انكور بلو لوان لا سونا ايل تو دي لا فري سونا ساي سي كوا سي كو سي با لي جون كي اون سوبي لا مور اي كي سون تريست qui doivent faire à manger. On a عرفت وحنا عندنا في الاسر ديالنا في المغرب عندنا المغاربه مثلا les autres je sais pas comment ils font mais par exemple chez nous les maghrébins l'arabe il y a quand quelqu'un décède qui fait à manger? C'est la famille de ceux qui est mort. فضيحه فوق فضيحه. Ça veut dire جبر مساكن غرقين المصاريف وكذا والناس كيدخلوا كيتعرموا يبقاو جالسين كيسنوا العشاء. تعشوا. Alors que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu, on voit la tradition qui explique, qui dit que les gens doivent préparer alayh subhanallah, tu trouves la beauté de cette religion, de la psychologie il y a plus de 1400 ans, pas de syllabus ni rien hein. Pas d'université de psycho ni rien, il y a plus de 1400 ans on te dit, trois jours que, wallah, il faut que nos jeunes des fois, ceux qui se disent mashallah très cultivés, wallah, qu'ils prennent un peu de temps par rapport à ces traditions là pour voir le pourquoi du comment de ces chiffres, trois jours. Et après on te dit, stop, voilà, reprends la vie là. Et à côté de cela, qu'est-ce qu'on te dit? La famille, c'est nous qu'on doit leur faire à manger, c'est pas eux. C'est nous qui devons leur faire à manger. Pourquoi? Parce que tu allèges leurs souffrances et leurs problèmes, parce qu'ils sont occupés à penser à autre chose. Plus, quand on vient, on ne reste pas trop longtemps et quelqu'un doit faire une petite parole, un petit rappel. Pourquoi tout cela? Et justement, on parle de quoi? On parle de tristesse. Parce qu'on sait que ces gens-là sont dans un état de tristesse. Ils viennent de perdre quelqu'un. Et même comme ça, la sunna, est-ce qu'elle a laissé cette personne comme ça dans le vide et le laisser triste pendant des années et des années? Là, la preuve, est-ce que dans notre religion, nous, on peut rester comme ça triste après la mort de quelqu'un pendant des années? Là. Il y aura toujours une retenue, subhanallah. À chaque fois, on va te demander, n'exagère pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un sujet qui est important, le destin. Toi qui dis que tu es musulman, tu as été obligé de reconnaître qu'il y a six piliers de la foi. Et dans les six piliers de la foi, dans Ark al-Iman, Kayin al-Qadar, Khayrihi wa Sharrihi. Et comme on nous a appris, Hulwihi wa Murrihi. Tu n'as pas le choix. Qu'il soit bon ou à tes yeux mauvais. Il sera toujours bon. Had le destin, le fait qu'il est ancré dans ta foi. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il est vraiment ancré chez nous? Wash al-Qadar, Bukul Saraha, Wash kan amnu beh, Ala haqqu triqu. Fiha ou fiha. والله بصراحة فيها وفيها لأن لو كنا كنفهموا الدين ديالنا بالصح بالمعقول القدر إلا فهمناه وقريناه وحفظناه أي ابتلاء كيحادينا أي ابتلاء والله يجي يكون كيف ما كان الإنسان سبحان الله اش كيقول كيف قال الله سبحانه وتعالى إذا أصابته مصيبة اش كيقولوا ذاك الناس إن لله وإنا إليه راجعون Ça veut dire que quand tu as étudié vraiment ce pilier de la foi, qui est le destin, c'est pour ça qu'il est important. Les cours de l'aqida, il faut les reprendre. Wallahi, ça doit être des cours, ils doivent être présents, on n'a pas le choix. Alhamdoulilah, on a fait beaucoup d'années dans le social et autres parce qu'il y avait besoin. Ah, c'était toutes des générations qui ont grandi et qui ont manqué de conférences dans le social, ceci, cela. Maintenant, alhamdoulilah, tabarakallah, les CD, il y a toutes les marques. Il y a le mariage à toutes les sauces, il y a la sorcellerie à toutes les sauces, il y a tout ce que vous voulez. Il faut revenir vers la base. Le ciment de tout ce qu'on a raconté, c'est dans l'aqida, dans la foi. Eh bien, le pilier là, le pilier qu'on appelle le destin, c'est lui, wallah, est chez nous, en tant que musulman, qui joue par rapport à tout ce qui est le domaine de la tristesse. Je dis toujours à mes élèves, être triste, c'est quelque chose de naturel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils est mort, Ibrahim, radiallahu anhu, on vous dit qu'Abdurrahman ibn Auf,
radiallahu anhu, a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ibki. Ibrahim radiallahu anhu, kan Allah tufa. On t'a arfi l'aulad diallo tufa ou sghar. Souvent, il ne dépasse pas 2 ans, bien bébé, quelques jours après. Donc, 3 garçons, yak, qui sont décédés, tout petits. Ou tchouf, subhanallah, l'arabe. Avec les bédouins, ceux qui habitaient le désert, qashin, sont durs. Donc, regarde, Abdurrahman ibn Auf, il est étonné. C'est comme notre compagnon qui est venu chez le prophète, qui lui a dit j'ai 10 enfants, j'ai jamais embrassé. Ils avaient un caractère dur. Quand on rigolait, entre guillemets, les gens qui viennent de l'Badiya, de l'extérieur de Jbel Kada, et ceux de la ville. D'ailleurs, ceux de la ville, jamais qui disent à ceux qui viennent de la campagne, soi-disant, c'est des purs et durs. Ça existait depuis le temps des temps. Une personne qui a vécu dans les problèmes, la dureté, la difficulté, il voit la vie d'une autre manière. Fa subhanallah, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, tfaja. Ya Rasulallah, tu pleures? Il a dit naam. L'ayn tadma. L'œil pleure. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, subhanallah, on va se quitter pour une très très longue période. Et on va quitter quelqu'un qu'on aime. Lakin, de nouveau, on revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de jours? 3 jours. Parce que subhanallah, je demandais à certains amis qui étudient en psycho et autres, il te dit le premier jour, il te dit ne viens jamais faire le malin chez quelqu'un en lui disant non, stop, pleure pas frère, arrête, t'es un dur frère, accepte le destin, kada. Tu dis non, c'est humain, tu veux ou tu veux pas, c'est humain. Et même comme ça, avec une retenue ou pas. Tu peux pleurer, mais est-ce que tu peux t'arracher les cheveux comme l'a dit le prophète sallam, les femmes qui viennent, qui crient, kada, ou bien les hommes et autres. À tout le monde fait avec sa tête, non. Est-ce que vous êtes capable de le faire si jamais vous perdez quelqu'un? Combien de fois on nous appelle à l'hôpital pour des personnes qui agonisent, qui sont mourantes, et wallah, et encore dernièrement, un frère, voilà, il vient, son frère est en train de mourir, puisque la preuve, quelques minutes après, il est décédé, et le frère qui tape contre le mur, qui donne des pêches contre la porte. Chan de cas, copain, qu'est-ce qui se passe? Ah, pourquoi lui, il était bien? Qu'est-ce que tu crois? Que la mort, elle prend que les biens, elle laisse les chiatins, là, wallah. Tu es en train de m'accuser, là, tu vois ça, le shaitan, il te lâche pas. Parce qu'il sait très bien que c'est rattaché à un pilier. Et qui dit qu'un pilier commence un peu à bouger là? Qui te dit qu'Allah fait toute ta religion ne bouge pas? Et c'est du monde de l'inconnu. Quand tu tombes, quand tu jhelles, Allah fait que tu commences à avoir des réactions où tu perds la raison, on te dit fais attention parce que tu es alors dans un autre monde. Et il se peut que tu fasses des choses qui sont graves. Il se peut que tu dises des choses que tu vas regretter par après. Et c'est pour cela alors que la communauté doit être présente. Regardez pourquoi il y a ta'ziya, ou bien on doit être à côté de la famille, on ne doit pas le laisser seul. Même la personne qui meurt, subhanallah, dans notre sunnah, nous, on ne peut pas dire, khali, il est mourant, laisse-le mourir. Comme vous entendez des fois chez d'autres communautés, qu'est-ce qu'on dit? J'ai déjà assisté avec des voisins et tout, quand j'allais à l'hôpital et qu'il y avait des voisins, parce que j'étais souvent hospitalisé, et des fois tu avais un non-musulman à côté qui meurt. Alors des fois tu entends, venez, on va sortir, on va le laisser mourir en paix. Ah, drôle de phrase. Alors que nous, c'est l'inverse. Talqin shahada, voilà, tu restes à côté, tu répètes la shahada, kada, tu le thabbet, tu lui dis, écoute, rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala, kada. Normalement, ya shabab, si vous me suivez bien, alaykoum salam wa rahmatullah, si vous me suivez bien, si toi tu es là, et qu'on apprend cela dans notre pratique religieuse, et on l'a, écoutez-moi bien, et on rappelle cela quand il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on nous apprend nos mashaykh hafidhahumullah qui qulna daiman dhukru al-maut dhukru matalan masa'ib al-mashakil kada fuqash fi al-ayyam li katkunu antuma fi ar-raha bikhir ma ankum ta mushkil dhakkar Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est connue cette phrase. Rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments où tout va bien, comme ça il se rappelle de toi dans les moments de difficulté. Enfin, nous quand on vient et qu'on s'entraîne justement et qu'on apprend ça dans notre religion par rapport à ce destin là, à être à côté de la personne, à lui faire ces rappels là, le jour où ça nous touche, est-ce qu'on va s'arracher les cheveux? Non. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Quand tu es bien maintenant et qu'il n'y a pas de problème, tu es obligé d'aller lire certains sujets avant de dormir. C'est pour ça que je dis à nos jeunes, je dis ceux qui me disent soi-disant, ah c'est drôle, j'ai du temps, je ne sais pas quoi faire. Et il y a des jeunes qui m'envoient, salam, vous ne pouvez pas m'envoyer un programme, je ne sais pas quoi faire. C'est assez grave, c'est du suicide ça. Là, tu n'as pas...
Moi, je dis aux jeunes, rien que le soir, sur ta table de chevet, deux, trois livres. Un d'office dans le domaine de l'aqidah, ton Coran, et un sur la vie du prophète, sur l'alisme, que la plupart d'entre nous ne connaît pas. Et c'est là que tu vas voir c'est quoi la vraie tristesse des fois. Et des situations graves. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Shabab a perdu aussi son épouse, est-ce qu'il était triste ou pas? Il a été touché, subhanallah. Il l'aimait beaucoup. C'est elle qui était à ses côtés. Et même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie, et on a une sourate, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas délaissé. Pourquoi? Parce que les Quraishites, ils s'amusaient à venir et à l'allumer. Ils disaient, regarde, eh ouais, où est-ce qu'il est ton Seigneur? Où est-ce qu'il est ton Dieu? Il t'a laissé, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, regardez, c'est très beau, il nous a laissé une belle image, qui est laquelle? Qui est que si tu es rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il te laisse pas. Il te lâche pas. Et il va pas te laisser dans les problèmes. Mais tu dois être de ceux qui étaient alors constants lorsqu'il n'y avait pas de problème. Et pas l'inverse. Pas cette relation très hypocrite qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est que, on a un problème, hein, comme je suis enseignant, donc j'ai des copains ici qui sont enseignants, ils le voient, un musulman, il y a examen ad-drari dans les couloirs. Alors que moi, pendant l'année, je leur demande, tu pries, il me fait non. Et exprès, le jour de l'examen, quand il rentre chez moi en classe pour faire l'examen, je lui fais, ouais. Ah monsieur, Dieu est grand monsieur, hein. Ah, il est grand, mashallah, tu viens de l'apprendre aujourd'hui. Parce que tu sais que Dieu est grand, mais ton cerveau il est petit, avec l'afrit. Parce que tu ne vas rien mettre sur la feuille. Ah, Dieu il est grand. Ah, il a toujours été grand mon frère, je dis, oh, bismillah, il a écrit maintenant. Alors tu entends tous des petits, là il devient musulman. Et là subhanallah, on va arriver à cette tristesse, quand il reçoit le résultat, ah, tu vois sa tête qui... Je lui dis, frère c'est toi qui l'as cherché. Quel était ton rattachement avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'était un rattachement de jeu. C'était un rattachement de jeu. Tu jouais avec lui. C'est-à-dire que tu pensais qu'il y a le destin, c'est vas-y et il y aura un miracle à la fin. Là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé donc cette belle image qui est que lorsqu'il a été attristé par la perte de ceux qu'il aimait beaucoup et qui sont partis et qu'il aidait, même son oncle qu'il aidait, Allah exalté soit-il, va montrer qu'il est à ses côtés. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas délaissé. Alors, ya Shabab, on revient toujours à cette même belle théorie qui est que ce qu'a vécu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est un exemple pour nous ou pas? C'est un exemple pour nous. C'est une ibra. Kul haja li ashha rasul sallallahu alayhi wa sallam, illa wa ke khallina wa haddars, mashhna alhamdulillah, kul majjina shi qadiya, nfukurun kulu a. Ah là, mais là, il y a déjà un problème. Kiva je brite tfkar, il a ma'andi shkhbar bissira de rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ah, les tristes qui sont parmi nous. T'as des jeunes qui. Des jeunes couples, hein, des fois. Ils t'envoient un mail, ils te font monsieur, j'en ai marre, on a trois pièces cuisine, on est serré, monsieur, on étouffe. Non, c'est tout, j'en ai marre. Je vais acheter, monsieur. Et ça, c'est la psychologie de celui qui va presque être pendu et qui sait qu'il va être pendu, c'est qu'il te met lui-même les fatwas en bas. Il me dit, ouais, parce que le conseil, il te remplit toute une page. Je dis, pourquoi tu m'appelles alors? Qu'est-ce qui se passe? Tu agonises. Tu ouvres l'être humain. Puis quand, des fois, je taquine, je l'envoie, je lui dis, quel était, peux-tu me décrire la demeure? Une fois, j'ai fait un quinze jeunes mesquines. Quelle était la demeure du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Peux-tu me la décrire? Alhamdoulilah, il a été honnête. Il m'a dit, je ne sais pas, monsieur. Je dis, ben, si tu savais comment elle était, tu vis dans un palais, frère. On a dit toujours à nos jeunes. Si tu es habitué à lire la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, tu verrais que tu as de ses bienfaits, mashallah, tu serais étonné. Wallah, très étonné. Et des fois, je taquine certains jeunes qui viennent chez moi, je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais c'est comme ça. Des fois, il y a des chabab qui jouent à l'équipe qui disent le qism, ah, oustad, wallah, aïchina al-fim mashakil, wana haznani, tlanaz, j'ai fini sa kin, tu habites où? Ah, mais j'habite là, tel endroit. Tu manges le matin, c'est vrai? Et la cuisine est là, combien de kilomètres? Combien de mètres? Et comment ça, monsieur, la cuisine? La cuisine est là. J'ai dit, tu ne dois pas te battre pour manger. Non? Ben non. T'es sûr? Non. Tout est prêt. Et tu es triste. T'es pas bien. Wallahi, la plupart du temps, il ne comprend pas ce que je lui raconte. Des fois, la preuve, ils me disent, monsieur, vous allez pas bien aujourd'hui. Hein. C'est un peu, vous m'avez mal compris avec ce que je vous dis. Sinon, Wallah, que je t'ai compris. C'est qu'il y a de la tristesse des fois pour certains. C'est parce qu'il y a de le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des fois d'avoir tellement de choses. Satan, la'anallah, il t'aveugle.
et il fait en sorte que tu ne les vois pas. Et pourquoi je reviens toujours à la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Aïcha radiallahu anha, elle te dit, wallah, il passait 3 jours et 3 nuits, même pas un feu ouvert dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé chaud. Et le hadith très connu, lorsque vous lisez la biographie d'Aïcha radiallahu anha, notre mère à tous, tu vois que sa servante, un jour elle est venue chez elle, et c'était l'heure pour rompre le jeûne. Et Aïcha radiallahu anha lui dit, apporte de quoi manger pour qu'on rompe le jeûne. Elle lui dit, ya mère des croyants, tu n'as rien laissé. Alors que deux traditions, une, elle dit qu'elle a reçu presque 30 000 dinars, et des compagnons qui lui ont envoyé, radiallahu anhum, de l'argent. Aïcha radiallahu anha. Et elle, subhanallah, la servante, elle dit, à peine elle reçoit l'argent, que les gens ils commencent à toquer à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne, direct. Ashra, ashrin, ashra, elle donne, voilà, elle donne. À un certain moment, subhanallah, l'heure de l'ftour est là, quand elle demande, elle dit, qu'est-ce qu'on a envie? Elle lui dit, mais pourquoi tu n'as pas laissé? Il y a notre mère. Vous savez ce qu'elle lui dit à la servante? Elle lui dit, si tu me l'avais rappelé, j'aurais laissé quelque chose. C'est une drôle de manière de parler, comme on l'entend souvent. On sait qu'en langue arabe, c'est un peu très tordu, très bizarre, parce qu'il y a des fois des phrases qu'on répète d'année en année ou bien de génération en génération. Mais comme on vous dit, subhanallah, quand tu leur demandes, mais quel est le but de cette phrase? Il te dit, wallah, si on n'a rien que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous aime et qu'on accepte ce qu'il nous a donné, alhamdulillah, hna bikhir. Mais, virgule, je pense, et je dis toujours à nos jeunes, tant que tu n'as pas goûté à certaines vies que l'on a à gauche à droite en Afrique par exemple, tu ne pourras pas savoir ce qu'est la vraie tristesse, mais la vraie. Moi, des fois, des jeunes de 14-15, ça c'est aussi un âge très bizarre. Il y a des fois en classe et je vois, il est... C'est un triste, là, tristounet comme on dit, comme ça. Et des fois, je passe, qu'est-ce qui se passe à Abdel? Qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur, là, moi je suis triste, j'en ai marre. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un mois que je demande une PSP, il ne veut pas mon père. Pour taquiner, je fais, je crois que tu allais me dire que tu n'arrives pas à prier, ou là que tu as un problème de. Bon, ils rigolent quand je leur fais cette remarque. Oh, monsieur, vous, c'est toujours la prière, là, cadre. Je dis, prie. Et invoque, il y aura peut-être la PSP, elle me fait le laisse. Tu pries pas, tu fais rien, tu veux qu'elle tombe du ciel. Je vous parle même pas des plus petits qui croient qu'il y a directement alors un rapport. Wallah, je prie, il y aura la PSP. Bidnillah. Bidnillah. C'est tensé. Donc regardez, Shabab. Voilà pourquoi dans la sunna, on a un tas d'outils qui nous ont été laissés pour que, subhanallah, quand tu es touché par quelque chose, tu te ressaisis directement. Walidin ma tchachmouch, kum daiman tkarwatchi l'aulad. Daiman ouladkum. J'ai عندك يقول لك الواليد انا عرفتك الهم والحزن وكذا يقول لك انا عمر مشاكل وكذا هذه كان ابو هريره رضي الله عنه il disait toujours hein, ابو هريره رضي الله عنه كيقول الى حد نساتك واحد المشكله ما تشوفش فوق منك عند الناس اللي عندهم بزاف تشوف دائما تحت اللي ما عندهمش اه نعم والله quand vous êtes touché des fois par certains problèmes même moi qui vous parle hein, je venais avec le frère de Bruxelles, de côté sur l'autoroute, et il l'a vu, en sortant de la maison, il ne faut jamais le faire quand tu pars à une conférence. J'ai ouvert la boîte aux lettres. Oh, on me fait laisser, ils m'ont envoyé le factura de Daoul Gaz, de l'âme. Oh, mouchah, tatbarkallah, alia. Ah, tatbarkallah, 3 chiffres et des virgules, khalil Allah, sal. Saraha, Bachar, on est des êtres humains. À la seconde, j'ai reçu une tarte. Ah, wallahi, à la seconde, taqul ta'adou billah, j'tarajim. Moi, je prépare la tristesse. Ou d'arbitre, ou d'arbitre à la seconde, je me suis dit, subhanallah. Il faut se parler, il ne faut pas être gêné. Wallah, il a d'arbitre à la seconde. D'arbitre à la seconde. Il a d'arbitre à la seconde. Yallah, f'ta'al. Wallah, il a la seconde, je me suis dit, alhamdoulilah, moi j'ai une petite maison, j'ai le gaz, l'électricité, j'ai kada. Alors que peut-être une heure avant, regardez, subhanallah, peut-être une heure avant, on a vu le journal. Et comme d'habitude, vous voyez ça tous les jours, les bombardements en Syrie, ça, oh là là. Mais vous avez tous fait un bruit, qui est lequel? Ça, on est des spécialistes du... Mais ça, c'est seulement quand on voit la chose à la minute. Mais après, quand c'est nous qui avons... Elle a une petite facture, c'est fini. C'est fini, tout s'arrête. Voilà pourquoi Abu Huraira, radiallahu anhu, il disait, regarde pas au-dessus là, c'est ceux qui ont beaucoup, tu vas vivre mal. Je crois que vous avez déjà testé certains, ça, ou là?
regarde pas, tu regardes en bas. Quand tu regardes en bas, là, tu dis, Alhamdoulilah, je suis riche, j'ai beaucoup. Ça, c'est un point qui est important. Pour aller un peu plus loin, donc on a dit le point, le destin. Deuxièmement, une des choses qui peut aider dans le domaine de la tristesse, on va aller plus, c'est vrai que le temps il passe très vite, c'est lorsqu'on parle, subhanallah, de certains problèmes qui nous touchent, on vous dit, est-ce qu'on a ce courage d'aller en parler à d'autres ? Chez nous, si vous avez remarqué, subhanallah, spécialement peut-être les Arabes, on a une chouma, une pudeur qui est déplacée. Anna chouma m'aouja. Par exemple, il a brûlé un chéri au Siyara, à Kankalbou, toute la famille, ça houlala. N'aïtoun flan, allan, qu'on veut acheter, vous savez qu'on veut, on a besoin de quelque chose pour acheter, on appelle tout le monde. Les amis, la famille, que tu penses de Charan, de Citroën, de Kada, atbarkallah, les conseillers, atallah, il y a tout le monde qui parle. Mais ya shabab, quand on est touché par quelque chose comme par exemple ici ce sujet, la tristesse, ou même des fois même la colère ou autre, est-ce qu'on va chez des conseillers? Sincèrement, est-ce qu'on va en parler? On doit le faire. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa porte était tout le temps ouverte. C'est-à-dire les compagnons, quand ils ne se sentaient pas bien, ils venaient lui poser des questions, ils venaient lui demander. Et on a plein de textes là-dessus. Compagnon qui vient et lui dit « Aouséné, donne-moi un conseil à Rasulallah. » Un, c'est sur la colère, l'autre, c'est vis-à-vis de ses parents, l'autre, Kada, l'autre. Donc ça prouve que c'était des sujets qui les touchaient. Ou entre guillemets, ça les embêtait. Il y a quelque chose là. « Falhadi nabawi, subhanallah, ki biyillah bin al-insan, suwala buddha, iqarrab daiman, ma amkan, il salihin, l'ulama, idha kainin, ou hatta d'ordre de l'imam. » Ça, c'est important, subhanallah. L'imam, par exemple, je parle pour nous ici en Europe, quand il est grand savant, c'est vrai qu'on n'a pas des masses, ça ne court pas les rues. Chaque pays, là, c'est ces grands imams et savants qui sont connus, mais tu en as deux, trois, et des fois, tu ne sais pas les rencontrer et autres. Là, qui, normalement, subhanallah, quand on va voir dans l'histoire, tu vois que le rôle de l'imam qui, en général, il faut être honnête, ces derniers temps, l'imam, il n'est pas très respecté comme il était avant. Vous savez qu'avant l'imam, je vois Arf Saoudia quand on a été suivre certains cours. Je prends la ville de Riyad, à Riyad. Il y a, ça remonte à 8-9 ans. Wallah, il te fait jaat, ya shabab. Kuna jalsin dans le jama'a. Et on attend l'heure de cela. Moi, je t'arrive que nous, on n'a pas cette habitude, les Maghrébins ici en Europe. Instantanément, donc je vois la mosquée, elle s'ouvre en deux. Wallah. Les gens, Daru Haïda. Donc, Wahid Natsu Kuddam l'a dit Qim Sala qui va faire l'Iqama et la mosquée elle s'est ouverte. Tout le monde qui ouvre le chemin. Mais, Wallah, chez Haïda Fhalikan Amnouhna, des fois on karab, ou là tu attends que le frit donne un coup pour dire, oh, khalnandouzin, ça l'ébi kouma. Là, les gens, Wallah, ils karabou. Vraiment, khalnoulou le passage. Fharra is daiz. Anna Rabbi Alim, j'ai dit, Wahid Kutlou, c'est qui ce gars? Maintenant, j'ai dit, Vdak Jam Adak Nal, je ne savais pas, j'ai dit, c'est qui ce type? Ah, mais c'est l'imam de la mosquée. هذا الإمام هو الرئيس كيفاش كيعملوا له لك هذا والله كل شيء تفتح له الطريق مشى لكم علاش لان سبحان الله بعد الصلاه كملنا وهذه كتشوفها بزاف الدول العربيه صح ولا لا بعد الصلاه كتشوف دائما الناس كيتكبوا على الامام والله سبحان الله par exemple dans les pays arabes les gars vous voyez que quand l'imam termine les gens ils viennent toujours autour et ils font l'affiche chez nous par exemple à Tanger comme on est originaire de Tanger كتجبر des fois l'imam les مشهور مثلا في طنجه ولا كذا والله بعد الصلاه الفيله الناس une file de gens derrière et chacun il a besoin d'une petite nasiha sur quelque chose. Donc moi je dis souvent à nos jeunes, est-ce qu'on a l'art et la manière de parler avec nos imams? Même si tu me dis ouais mais les jeunes c'est comme ça hein? Je suis passé par là. Moi aussi, quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans, quand mon père me disait, et oui, là, je me disais, ma kdarchi, tsaksini, ala shi hajam, shi andal fqi. C'était gêné de me demander quelque chose, va chez l'imam. Et nous, on a toujours avec la vision de l'imam qui est vieux. Qui dit vieux, dit que c'est un type bizarre. Celui-là, il va m'enlever la tristesse ou bien mes problèmes, jamais de la vie. Mais qui t'a appris ça? Qui t'a dit qu'il est bizarre? Des fois, il se peut, mais dans un autre contexte, pas. Des fois, si tu viens apprendre chez lui, Kada, c'est normal qu'il a une certaine dureté parce qu'il faut le respect du professeur vis-à-vis de l'élève. Il doit rester. C'est comme ça qu'on en a appris. On n'a jamais au même étage l'imam et ses élèves. Jamais. Il y a toujours un petit étage plus haut. Mais à part quand tu viens après la prière, tu embrasses la tête, tu t'assis. Et alhamdoulilah, spécialement s'il est ham al-Qur'an, wallahi, s'il connaît le Coran, d'office il va te trouver des versets. Sahoulala. Il va te trouver des versets qui vont toucher ta situation.
وجيت تقول له شيخ انا عندي مشكل في كذا كذا اش كيقول الله سبحانه وتعالى في القضيه ولا شيخ جي ان بروبليم دون تيل تيل سوجي Parmi les rêves que j'ai des fois, je me dis, nos jeunes, ils n'ont pas l'arabe, ils n'arrivent pas à parler avec les imams. Des fois, l'imam, il n'a peut-être pas le français. Alors, Mskin, il ne sait peut-être pas comprendre. Et je me dis, quand est-ce qu'on a un jour des jeunes qui apprennent alors à l'imam le français et l'imam qui leur apprend l'arabe? Pas des petits jeux comme ça, très simples. Ou bien on laisse les générations passer, yak, jusqu'à ce qu'on arrive à une génération qui n'a ni arabe, ni rien, ni imam. Et vous allez voir, on y arrive, hein, petit à petit. Sahoulala, petit à petit, ne vous inquiétez pas. Tous les anciens, les Hamad al-Qur'an, ils partent au fur et à mesure. Les générations qui montent, c'est que des Fahimiyyah, c'est que des ulama exposant 22. Les chers Google et compagnie, femme, tabarakallah, il y en a des masses. Mais voilà, on va arriver à des sujets comme cela. Tu te sens pas bien, t'as dit, wallah, si tu n'as pas celui qui, mashallah, porte le Coran, essaie de te l'expliquer, te trouve des exemples, et on va encore plus loin. Celui qui porte la sunna et qui connaît justement ces sujets-là, comment est-ce que tu vas faire? Et pour terminer, très rapidement, en une minute ou deux avant l'Aden, on te dit que, on va résumer parce que parmi les traitements de la, par rapport à la tristesse, ya shabab, on vous dit, Allah rda alikoum, revoyez tout ce qui tourne autour de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes œuvres. Ces deux sujets-là, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bonnes œuvres. Wallah, ya shabab, ya les jeunes, je vais vous dire une chose, très simple. Si jamais tu cherches après les bonnes actions, par exemple, bénévole dans une mosquée, venir aspirateur, laver les vitres, cadas. C'est des exemples que je vous donne, et après chacun d'après sa région, ses possibilités. Faire un petit groupe de jeunes qui sort, par exemple, donner à manger aux sans-abri, en hiver. Wallah, des petits sujets comme ça, des bonnes actions. Des bonnes actions. La lecture, un programme. Parmi les choses qui te sortent des fois le marasme bizarre et toujours la morosité haute, fais un petit programme religieux. Amel wahed bernamaj dini. Une certaine heure pour la lecture, pour voir par exemple un DVD sur quelque chose ou bien sur YouTube. Fais un petit programme. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire où est-ce que tu en es par rapport aux mauvaises actions et comment est-ce que tu es lorsque tu es seul. Parce que souvent quand on attrape pour l'aïdou billah une fameuse tristesse en dehors de ce qu'on appelle la mort de quelqu'un autre, non, dès que où le corps il rejette tout, là on vous dit subhanallah, souvent la personne en général, entre elle et le mal, il y a une grande amitié. Saraha. L'insan il a kan aïch fil ma'asi, wallah y'aïch daïman fil hazan. Amrik ma djouru farhan, moustahil. Alash. Parce que c'est contradictoire. Quelqu'un qui vit tout le temps avec les péchés, c'est contradictoire. Il encourt la colère de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il peut vivre heureux sur terre? Faut faire attention. Pour aller plus loin, l'invocation, Allah rda alikoum. L'invocation et l'évocation. C'est deux choses différentes. Le rappel et l'évocation. Ça veut dire ad-du'a et aussi ad-dhikr. Assis-toi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adim. Nos jeunes, ils doivent revenir à ça. Il y a beaucoup de jeunes maintenant, 17, 18 ans, wallah, mais ils sont au courant de ces invocations-là. Mais qui a refoum? Ad-du'a. Et il y a la citadelle du musulman phonétique, il y a tout ce que vous voulez. Et l'invocation, où ça? Dans la prière. Est-ce qu'on invoque nous dans nos prières? Ah, ou de nouveau, tu dois faire un effort par rapport à cela, parce que ça t'aide, c'est un outil. Tu n'as pas le choix. Et la prière, pourquoi? Parce que le prophète Asmi disait à Bilal, arihna biha ya Bilal. Quand tu dis arihna, ça veut dire que ça va t'apporter un bien ou pas? Un repos ou pas? Avec quoi? Ah, ou de la prière. Donc ça sous-entend quoi, Allah radhalik? Qiyam al-layl. Où est-ce que tu es par rapport à certaines actions qui, Allah, t'amènent un certain plaisir, mais où tu es en privé, seul? C'est la prière de la nuit. Chose que, vous savez, nous les jeunes, on a délaissé. Beaucoup de jeunes ont délaissé. Si, comme disent nos parents, s'ils ne prient rien, qu'ils gèrent à l'heure, mu'jiza, c'est déjà bien. À toi, tu lui demandes qu'il se lève à 3 heures du matin pour faire 2, 4, 6 ou 8 rak'at ou plus. Donc ça, c'est un point important, l'ard alikoum. Et aussi, faire toujours en sorte, de prendre quelques petites minutes et de s'asseoir, et je termine l'ard alikoum, de s'asseoir avec les gens bien. C'est pour ça que le prophète Hassan, c'est pas pour rien qu'il a demandé pour la fréquentation, lorsqu'il a donné l'exemple du parfumier et du forgeron. Choisis le parfumier, l'ard alikoum. Wallah, ya shabab. اختاروا الاصدقاء ديالكم choisissez vos amis الا اخترتي واحد صديق صالح شخص مزيان والله دائما هادي يذكرك بالله سبحانه وتعالى هاي يذكرك بالمعاصي ديالك قولك رد البال اتقي الله اش كتعمل هادي ماشي مزيان هادي كذا يوغا toujours même les discussions elles seront dans le bien. Donc ce sont quelques moyens qu'on reprend ici. Être aussi réaliste et pas utopiste. Il y a certaines personnes qui sont tristes parce qu'ils vivent toujours dans des rêves. Il voudrait que la communauté, par exemple, il voudrait que sa famille soit soudée, il voudrait que tout le monde pratique, il voudrait que tout le monde ceci, tout le monde cela. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Tu ne pourras pas guider quelqu'un parce que tu l'aimes.
Mais s'il veut la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala le guidera. Enfin voilà, c'est quelques points. C'est un sujet très très important, mais il est là. J'avais aussi mis conjecturer en bien. Ça veut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann ». Par exemple, c'est quoi? Ça veut dire que les gens, ils vivent toujours dans les mauvais soupçons vis-à-vis des autres. Ça, ce genre de maladie, wallah, elle t'amène la tristesse du cœur. Tu es tout le temps en train de voir du mal chez les autres. Là, fais attention. Et pour terminer, aussi, et toujours une bonne opinion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, on peut être bien, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans un hadith qudsi, on peut être que bien que si jamais nous, on a une très bonne opinion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on doute jamais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce qui nous touche soit à nos yeux bon ou mauvais, il sera toujours bien. Des fois tu peux détester une situation, mais wallah, il y a un bien immense derrière. Si tu te rappelles de tous ces petits principes, quand vous réécouterez peut-être le dars, inshallah, si tu vois un peu tous ces petits principes-là, alhamdoulilah, un gros pourcentage, il y a moyen que l'on sorte de certaines situations. Et inshallah, après la prière, on verra avec vos questions le côté pratique. Qu'est-ce qu'on vit en pratique et on essaiera de se conseiller. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullah.